Et salut, c'est Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait, pas proposé de Gran Turismo, le sport forcément. On attend bien évidemment le 7 au mois de mars, même si je suis pas forcément plus hypé que ça au vu de ce qu'ils nous ont proposé, de ce qu'ils nous ont montré. Bref, on va rester sur cette course-là, donc c'est les FIA constructeurs, manufactureurs. Donc on est parti pour une dixième manche pour laquelle je pense que c'est la dernière de cette saison. Donc on va bien voir, on est avec notre Ferrari. Et je suis cinquième avec très très peu de training. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce que c'est aussi encore une fois un circuit à problème si jamais on n'a pas les pilotes qui vont avec. Donc voilà, on va perdre pas plus de temps que ça et on se retrouve sur la grille de départ. Allez, c'est parti, donc on est sur Fuji International Speedway. On est parti pour 20 tours, il n'y a pas de conditions au niveau des pneumatiques, donc on va voir ce que ça donne. Je démarre en tendre. Alors qu'il y a une Ferrari qui est partie, une McLaren, partie dans les choux. Qui m'a l'air complètement à la rue. Il y a déjà de la petite pénalité. Essayer de pas trop cramer les pneus, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et on va essayer de lui faire à l'intérieur. Allez, derrière ça se bagarre, c'est bon pour moi. Ici, virage très compliqué. Il a de la pénalité, il tamponne tout le monde. Non, mais t'arrêtes pas, toi, que t'as RCZ là. Putain, mais c'est. Je suis tombé sur quel split là. Faut rouler, les gars. Ah, lui, il va faire chier tout le monde. Allez, on va voir comment ça se comporte. Petit freinage des familles à l'intérieur. Allez, on va essayer de voir, ça va être une Porsche devant. Pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, j'ai vraiment été déçu par ce qu'a présenté Sony pour Gran Turismo 7. Après, ça fera, je pense, énormément plaisir à ceux qui étaient fans de la première heure, hein, c'est-à-dire customisation à gogo. Merci, monsieur. Outre cet aspect-là, entre guillemets pseudo RPG,
c'est ce que tout le monde un peu semble dire. Effectivement, c'est beaucoup de gestion de la bagnole. C'est plutôt aussi l'aspect technique qui m'a inquiété. On a eu droit, je crois, à 7-8 secondes de, vraiment de gameplay. Et j'ai vraiment pas trouvé ça folichon. C'est vraiment pas joli, hein, très honnêtement, comparé à ce qui se fait. Bon, je compare pas au PC, mais... J'ai pas trouvé un gap énorme par rapport à GT Sport, donc... En plus, ils ont lancé les précommandes 5-6 mois avant la sortie du jeu. S'embête pas les gars. Merci grand. Je vais pas te louper toi, attends un peu. Je crois que c'est la première vidéo que je vous fais avec ce volant Porsche. Allez, dépêche-toi devant, il s'en va là. Déjà 4 tours. Allez, derrière ça revient. Ah bah oui, c'est ça, faut mieux prendre son virage, grand. Allez, cinquième tour, on a fait un quart, les pneus, ben forcément, clairement, ils tiendront pas. La question, c'est est-ce que je passe en médium ou en dur après? Et quand? Ouais, il va me faire peur, il me fait peur. Qu'est-ce que je ferais de mieux avec ce pédalier? Allez, on est à 2 secondes 2 de l'allemand. Encore une fois, avec la stratégie différente, décalée. Faut que je regarde aussi le carburant, j'ai pas checké non plus ça.
Allez, on est bien revenu. C'est quand même un circuit assez technique. Ah tiens, j'avais pas vu, c'est un Français en fait derrière. Oh, il est large devant, non? C'est bien rapproché ici. Surtout pas se prendre de pénalité hein, parce que là. On commence à avoir du mal, j'ai l'impression. Par contre, ce qui va être bien dans le GT7, c'est l'évolution normalement et du temps, donc jour-nuit, et de la météo. Ça va vraiment apporter quelque chose de plus. J'espère vraiment qu'ils vont pas revenir en arrière, c'est ce qui est prévu. Donc voilà. Après, le ray tracing, je m'en tamponne complètement. C'est vrai que l'évolution du temps. Avec moins 7 en difficulté devant, c'est pas mal pour nous. Les pneus pour l'instant ça tient encore. Ah, c'est vraiment ça, qu'est-ce que je vais mettre après? Mais bon, ça s'éloigne. Il y a de gros points à prendre là. Je vous l'ai pas dit, je crois. En tout cas, c'est la première tentative. Alors, je m'amuse toujours autant sur GT Sport. Bien sûr, de temps en temps, il y a des cons, mais il y en a partout. Donc, il faut que tu sais ça. Et je viens de terminer ma première saison sur F1 2021. Donc, encore une fois, sur PS5. Et pareil, je m'éclate toujours autant. C'est-à-dire que je viens de faire donc la carrière avec l'évolution, le développement et tout. Et je viens de terminer la première saison qui a été très difficile. Hein. Forcément, tu commences dans une... Ah, ça pite, je crois, non? Tu commences dans une modeste équipe. Et il passe en temps, donc il n'était pas en temps. Donc, oula. Enfin, je pense à moins qu'il fasse deux arrêts. Donc je disais fin 2021, c'est la première fois, enfin depuis que je suis passé sur PC, qu'effectivement je fais une saison aussi complète. Et là du coup, vu que ça devient assez intéressant puisque je m'accroche avec le haut du tableau. C'est vraiment kiffant. Alors c'est certes pas plus beau, pas aussi joli que sur PC. Mais en tout cas, j'allume et je joue. Ça chauffe pas comme une turbine. Ça qui est hallucinant, tu l'entends pas du tout.
peux aller à 10 tours comme ça, je remets les softs. C'est parfait. Parce qu'il n'y a aucune condition de course, enfin de pneus. Donc je mets ce que je veux. Derrière, je crois qu'il a pas pité. Ouais, ça va le faire. Il faut juste, c'est pas la perdre. Bien évidemment, je perds un peu de temps. Mais ça va tenir. Du coup, est-ce que je rentre là ou au prochain? Allez, on en fait une dernière comme ça. Et je serai à la moitié. Au niveau carburant, c'est bon, il n'y a rien à remettre. C'est parfait. Alors, j'attends vraiment des nouvelles. C'est aussi du PSVR2. On n'a pas plus de news que ça. Clairement, c'est des types de jeux à faire. Je vais faire en vert. Ouf, attention. Mais bon, venant du vert sur PC, je vais certainement pas commencer avec le PSVR 1 parce que là, les yeux vont saigner. Même si je crois que c'est des écrans OLED. La résolution, c'était pas ça, donc pas suffisant, certainement bon pour l'époque. Maintenant, on en veut plus, donc à voir ce que peut cracher la PS5 pour la puissance nécessaire. Ça, on verra ça. Allez, on va rentrer là. Allez, là c'est plein pot. Ou je sais pas, à mon avis, peut-être une pénalité. On va faire tendre. Pas plein, hop. Peut-être une pénalité, je sais pas. J'ai coupé comme un porc. Alors là, il y en a un qui est passé. P2. Ah oui, c'est pareil, ils ont rallongé ces stands. C'est hallucinant. Dans le classement là. Oh, c'est chaud avec le britannique. Ah, et le podium est pas loin.
Oh, ça rentre en plus, je crois, non? Ah non, ça joue le bluff. Bon, derrière, ça dit quoi? Ça va. Allez, deux Espagnols et un Allemand. N'hésitez pas, hein, si... si ça vous dit de me mettre, de m'ajouter, en faire une demande d'amis sur le PSN, au moins comme ça on pourra comparer nos places au championnat. J'ai l'impression qu'ils sont à la rue tous les deux. Et l'Espagnol, le TSR Papi, là, à mon avis, doit encore rentrer. Faire chier dans les derniers virages. Ah, je vais dans la partie qu'il faut pas. Je perds du temps. Et ça va peut-être se payer à la fin. Allez, il y en a un qui est rentré. Oh, une vitesse de pointe. C'est terminé pour lui. Ah, tu m'auras pas quand c'est fini pour toi. 11 secondes de l'Espagnol. Il reste 7 tours. La petite pénalité qui va arriver, je pense. Il est toujours là. Hein. Il va se mettre à l'intérieur, forcément. Estimé heureux de pas m'être pris une pénalité tout à l'heure. Bon, il s'arrête quand l'Espagnol? Alors on est à 10 secondes, on gagne du temps, mais... Il a quand même pas fait qu'un seul run. Soit il était très rapide. Il est beau, bon, je le vois, donc... Il reste 6 tours. Est-ce que je reviens assez vite? 9 secondes, 1.
8 secondes 2, ah, c'est clairement jouable. Ouais, il tente de pas s'arrêter, c'est foutu pour lui. Il va me rester 5 tours. Alors, je veux pas être trop optimiste, mais clairement, sur ce que je lui ai repris en 1-2 tours, là, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui. Après, c'est un choix complètement stratégique. Je sais pas faire quand même. Allez, Seb. C'est pas si évident que ça, hein. Il va falloir que je reprenne 2 secondes au tour. Je me suis peut-être un petit peu avancé là. Ça se trouve, il a pas pité, hein. Il est peut-être en hard. Il va tous nous la faire. Croyez-moi que si je le reprends, il va pas se laisser faire. Mais bon, ses pneus devraient s'effondrer normalement. Les miens commencent aussi à, pas dire à rendre là, mais à commencer à perdre en performance. Ah, il est juste là. 4 secondes 8, 3 tours. Allez, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que je vais le reprendre. Déjà à la base, c'est de pas faire d'erreur. Ah, il doit suer là.
Allez, allez. Y crois. Ah, je commence à être en difficulté aussi, moi. Bon, certainement moins que lui. Un peu plus. Ah, c'est fini mon grand, t'es à l'agonie. Après tenter de dire laisse-toi passer, ce sera plus simple. Oh puis avec pénalité le malheureux. Ouh là là là. L'accès, il se laisse pas faire. Après, j'espère pour lui qu'au moins il va rester sur le podium. Après, c'est 17 secondes derrière, donc bon. Il va revenir quand même. Hein. On va pas trop le serrer. J'espère qu'il va pas trop se battre non plus. Non, il peut clairement rien faire. C'est fini. Il va nous rester à peine deux tours. Alors, de là à en tirer des conclusions, peut-être pas, mais simple coïncidence, je suis pas convaincu. Mais depuis que j'ai changé de matériel, maintenant, libre à vous de me croire, hein, c'est pas... Je vous dis juste comme d'habitude ce que je ressens et ce qui se passe. J'ai eu deux victoires sur GT Sport, donc voilà encore une fois. Le matos ne fait pas tout, mais croyez-moi, je pense que là, ça a quand même joué. Même, n'en déplaise à certains, sur console. Parce que bon, forcément, sur PC, c'est l'élite, hein, vous savez bien. Bon bah ça aurait été une course sans trop d'erreurs de ce que je pense. Alors, moi je me sois trompé dans les conditions de course qu'il fallait changer de type de pneumatique et auquel cas bah, je serais disqualifié. Mais voilà, on entame le dernier tour. Désolé, si vraiment c'est la fin de saison, désolé Firebody. Je serai encore devant toi cette saison. Yog, désolé, je serai aussi devant toi, mais t'as pas fait toutes les courses. Donc, vu que t'es beaucoup plus rapide que moi, ça aurait été intéressant de voir un petit peu. C'est vrai que j'ai eu pas mal de phases d'adaptation au niveau de GT Sport au début pour refaire tous les circuits. J'en connais pas mal, mais bon, encore, il faut les appréhender d'une autre façon, donc... Ça, plus la gestion pardon, des pneumatiques, les conditions de course à chaque fois...
C'est vrai que ce circuit-là, j'avais beaucoup plus de mal. Après, c'est toujours pareil. Quand tu es habitué à rouler en VR, t'as pas la même perception des virages. Tu les prends pas de la même façon. Donc voilà. Et ben voilà. On va aller voir après le tableau des points. Avec l'avantage quand t'as des courses comme ça avec changement de pneus. Et ben c'est total freestyle, hein. Tu sais pas du tout où en sont les autres, ce qu'ils ont fait comme choix de pneumatique. Allez, on voit, donc j'ai pas le rond au niveau des pénalités, donc j'en ai pas eu. Donc à ce niveau là c'est tout bénef. C'est tranquille. Il va falloir que je fasse un bricolage, mon record à couper, je vois, j'ai plus de place sur ma carte mémoire, magnifique. Je vous bricolerai ça comme d'habitude, c'est pas un souci. Voilà, résultat confirmé. Victoire, j'ai gagné 4 places, 88 points. Forcément, ça veut dire que c'était pas un split énorme. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On échange comme d'habitude dans les commentaires. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss!